Yo tout le monde, c'est Gamex2215 pour une nouvelle vidéo. Je suis aujourd'hui avec VV Crozer. Yo. Et je suis aujourd'hui aussi avec Razor. Salut Razor. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et bien nous sommes aujourd'hui sur PVZ Garden Wafar. Et donc on joue une plante. C'est un jeu vraiment bien. Oui, c'est un très bon jeu. Réalisé par Electronic Arts. Voilà. Réalisé par Electronic Arts et PopCap Games, je crois, c'est bien ça. Ouais. Donc là, c'est un bon jeu. Au début, je pensais. Ouais, c'est le gros bordel, c'est une guerre mondiale. C'est une guerre mondiale. Alors comme on peut voir, alors qui a gagné? Eh bien c'est nous, les plantes. Eh ben je faisais partie des plantes, je suis content d'en faire partie. In your face. Donc en gros, j'ai encore dans le cul comme d'hab. Ouais, bah. Dans le cul. Alors, je vous montre. Alors j'ai un petit problème de cadrage avec. Cadrage tout ça, donc je vous lis ce qui est écrit. Pack de renfort, pack extra, pack de folie, pack de suprématie, pack plantastique, pack vengeur zombos, pack zombos down, pack bling bling comme dit Razor, et pack legion of the lone. Qui sont en or, en diamant, qui brillent en gros. Voilà. Voilà. Donc on peut y avoir des éléments d'armes, des accessoires pour votre plante, pour votre zombie. Ah oui, hein. Et avant, vous pouvez avoir aussi des lignes de personnages. Et maintenant, ça va débloquer parce qu'on a tous les personnages. Oui, bah certains personnages, il y en a qui sont encore à voir aussi. Il y en a encore qui sont à regarder. Ouais, mais c'est, en fait, ils mettent encore des points d'interrogation, mais je sais pourquoi. C'est pour les prochaines mises à jour. Ouais, voilà, je suppose. Alors maintenant, je suis un zombie. Ouh. Maintenant, je suis un zombie et Razor et Crozer sont des personnes qu'on ne connaît pas. Non, je déconne. Sont des plantes. Ta gueule. Ok, je peux pas changer d'équipe, donc on va prendre. Bon bah on va prendre un lutteur en direct. Ah, ouais. En mode minigun. Et bah c'est parti. Go. J'ai des deux sur la tête et j'ai des mains qui me servent de rien. Ok d'accord, tranquille. C'est bien normal. Et... Non mais chez Razor on aime beaucoup s'habiller bizarrement. Je sais pas, on sait même pas si tu aimes s'habiller tout court. Parfois on se pose des questions là. Meurs. Ouais bah c'est comme ça. Go. Tiens, pistolet point en vue, on va se les faire. Oh, touche pas mon ami, pistolet de feu. Oh, celui-là, c'est un taré. Mais vous allez utiliser par un fantasme normal. En plus, victimisé. Victime. Victime. Bah, c'est pas moi en tout cas. Je sais pas de qui tu parles. Hein. Peut-être que tu me victimises sur PVZ, mais sur GTA, c'est moi qui victimise. Si tu veux, bah. Chacun son domaine, hein. Voilà, complètement d'accord. Meurs! Ah, coucou Razor. Coucou, ah, tais-toi. Ah! Rire, hein, voilà. Oh, tais-toi, ça. Bonjour, j'avais hésité à ta maman. Bonjour.
Vous allez prendre cher, c'est les zombies qui vont gagner. Je suis complètement victime, mais en même temps, j'ai tué tout le monde. J'en ai marre d'être une victime. C'est comme ça, Crozer. C'est comme ça. C'est cool. Oui, tout à fait. Oh. Razor, je te déteste. Razor, je te déteste. Sauve-moi. Bon, après cette partie, je vous propose un mode jardin et cimetière. Oh oui, pourquoi pas, je suis d'accord. Je ne sais même pas ce que c'est, pour moi, c'est du chinois. Tu vas voir, bah, pour moi, c'est du chinois. Allez, bah, je vous dis, moi, là, je suis un débutant pour CVZ, hein. Donc, Ouais. Comme on peut le constater. Sachant que par exemple la piste au poids si tu tires. Soit je vais te tuer, en plus j'avais l'occasion de te tuer, donc je m'éclate, hein. Tu vas tuer, en mode kamikaze. Ouais, kamikaze. Sauf que là, je suis juste derrière toi. Je suis bien à Razor, on te rejoint, avec mon ami, et avec Crozer maintenant. En fait, non, pas du tout. Bonjour, les deux parties sont... L'enfoiré. L'autre, il s'est fait bouffer. Ah bah, c'était moi. El Torico. Ah bah, El Torico, je suppose qu'il est espagnol. Toi, t'as rien demandé. Salut Lucas, c'est pour m'avoir tué. Ah bah c'était pas toi pour une fois. Pour une fois, j'ai pas. Gentil petit train. Ouais, parce que lui, c'est mon ami, et vu comme ça, il m'écrase presque jamais. La différence entre un chien et un train, et qu'elle est quand même présente, hein. Arrête de dire la même chose, tu saoules. Là, par contre, Crozer, il peut la faire, la différence. Ouais, pour une fois, là, il marque un point, là. Pour une fois. Je déteste ces trains. Je déteste les trains. Bah non, il y en a pas là. Je vais mourir, c'est vrai. Monsieur mort, 300. Et moi, attends, j'ai été tué par le gimmortal le prétentieux. Je vais désormais prendre le 40. Oh, celui qui m'a tué, c'est celui qui a le gimmortal le prétentieux, hein, du monde entier. Je me suis victimisé par une plante. Les plantes doivent tout nourrir. Pourquoi les cactus arrivent jamais à grimper au rocher? Parce qu'ils savent pas sauter. Oh mon dieu, my god! Un zombie qui a une tête de plante. What the fuck? C'est normal. Je veux t'agresser, mais quel truc? Vous me saoulez. Vous me saoulez. Non. Non. Je vais ouvrir un paquet de folie. Un paquet de folie. Au calme, hein, Crozer, au calme. Alors, je vais quitter cette partie, je vais vous inviter sur un jardin et cimetière. Bonne idée. Je vais vous victimiser. Si tu veux. Nous allons expliquer à nos chers spectateurs, et ce soit moi, un jardin et
Alors, Jardin et Cimetière, c'est un mode de jeu où, en fait, on... si on est une plante, on doit protéger certains endroits. Et si on est un zombie, on doit défoncer ces endroits. Est-ce clair? Et le dernier endroit est toujours un défi. Voilà. On s'éclate. Voilà. Alors, j'arrive, partie matchmaking. Espérons que vous avez compris. Ouais, bah, avec l'explication. Les descriptions du gameplay. Oh, ta gueule. Voilà, une signature et une écriture. Ta gueule, ferme ta grande gueule. Si c'est gentil. C'est quand tu veux, Razor. Viens ta charge, t'as qu'à attendre. Même. Essaye parce que moi ça marche pas, je sais pas pour toi. Attends, moi je. Attends, moi je vais en faire une, moi, de partie, attends. Bah, c'est ce que j'ai un peu dire. Oh, c'est bon, hein. C'est toi le sourd. Je t'explique un truc. Oh, tais-toi. Tu sais quoi, Lucas, ferme ta gueule. Voilà. C'est toi la victime, Lucas. Impossible de rejoindre une session. Veuillez vérifier votre connexion. Ok. Oh, t'as vu ta queue, toi. Si seulement. Ouais. Recherche des sous. Ah bah je peux pas. Alors, parce que tu vas dans multijoueur. Ouais. Ensuite, bah, tu sélectionnes avec les flèches jardin et cimetière. Matchmaking de groupe. Voilà. Ouais, ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on t'a expliqué que tu me demandais comment on faisait. J'avoue, là, là, il marque un point. Ah! Voilà, bon. Nous avons abandonné. Bon, on a tous accordé l'arc, charmant et bon, Pierre. Je me propose du coup une élimination confirmée. Bon, on retrouve toujours la même chose. Bon, je dis donc, c'est comme vous voulez. Bah, moi je dirais plutôt. J'ai réussi à en créer une. J'ai réussi à en créer une. Ah. Heureusement que je te suis là. Hein? Hein? Tais-toi. C'est quand tu veux. Hein. Ah bah enfin. Enfin. Ah bah. Pour une fois que Crozer nous invite. Ah, Monsieur Razor ne sait pas utiliser une Xbox. Heureusement que j'existe, hein. Dis merci et à demain, maman. Non, j'ai jamais tapé. Maman, ça me va. Je suis obligé, maman. Merci, tante. Mais malheureusement, c'est impossible. Merci, tante. Merci. Merci, tante. Merci, Pépé. Merci, Pépé. Alors là, par exemple, vous voyez, on est dans le canyon des cactus. Donc le canyon des cactus va consister à enlever la petite boule de golf géante qui est au-dessus. Là. Balle de golf. Dans un trou, car c'est une bombe. Si vous êtes un zombie, il faut l'enlever sur un trou géant. Quoi? Et tous les zombies, c'est une... Et si vous êtes des plantes, votre but consiste à protéger cette bombe et empêcher les zombies. Eh bien, moi, je suis un... Donc là, vous voyez... Eh bien, moi, je suis un zombie. Vous, une plante. Vous, vous êtes quoi? Moi, je suis un zombie. Et bien, si vous voulez un conseil, un des trucs les plus utiles en faire d'activité, ça reste le mordeur. Ouais, le mordeur, il est... Ouais, bah c'est comme ça. C'est l'habitude, hein. C'est l'habitude. C'est, ça. C'est pas juste, ça n'arrive qu'à moi. Je te déteste, monsieur, je sais pas quoi. Je sais pas quoi, tu oses. Non, mais je sais pas, il a tellement son truc, il moi, est illisable. Je suis un mordeur de feu. Ok, on arrive. Ok, on se téléporte, go. Thank you.
J'appelle des copains. C'est toi, toi t'as jamais vu un truc aussi intéressant de toute ta vie. Et en mode jardin d'hiver, vous pouvez installer des plantes ou des zombies selon ce que vous êtes. Et puis vous en débloquez en achetant des packs de terre. Surtout des. Les zombies en capture à la base, in your face. Quand vous voyez un pot, un peu, des gueules de dragon, tout. Et si un jour vous jouez à GTA ou à DMZ et que vous retrouvez ça dans une partie avec marqué GameRex 2215, vous pouvez tuer, c'est à vous. Ta gueule. Faites ce que vous voulez, le monde de Crozeb et Razor vous en donneront la permission. Si vous trouvez, bien sûr. Vous sur lui, il est à vous, faites-leur, c'est tout ce que vous voulez. Bien sûr, si vous trouvez Razor ou Crozer, appelez-moi. Comme ça, je vous aiderai à vous suicider rapidement. Suicidez-vous si vous voyez Razor ou... Bien sûr, si vous voyez... Non, mais sérieux, si vous trouvez Razor, suicidez-vous. Même si vous n'arrivez pas à vous suicider, je vous aide. Mais c'est chiant. Bouge, je brûle. Mais qu'est-ce qui se passe? On est mort, une victime. Ouais, bah c'est comme ça. On va se les faire ces plantes qui puent. C'est l'heure du désherbage. Ok. Je sais pas quoi, en tout cas Mars, Mars, je te déteste. Tu ne sais même pas qui c'est, comment peux-tu dire ça? Comment peux-tu dire que t'es intelligent alors que tu l'es pas? Arme toi. Ok, Anna. Razor, imite pas. Imite pas Crozer. Tu vas sur la mauvaise voie. Ah, bien sûr que si. Mettre Pauline chez Gère, ne pas trop l'être, c'est mieux. C'est sûr, c'est sûr. Non, je viens de voir un ami plante se faire décéder devant moi. Je vais t'aider. Tu es sauvé. C'est quoi ce mordeur? Le pire, c'est que je vais venir à côté de toi, je vais te montrer comment il est. J'ai sauvé la plante et je l'ai. Booby, si tu veux, Booby. C'est bizarre, oui. Sauve-moi. Oui. Un grand mélange, en gros. Un grand mélange. Ce jardin-là, ce truc qui danse devant moi, c'est tout de ridicule, vous l'avez jamais vu. Ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Super chou. Je suis maintenant que quelqu'un m'aide, merci. Je suis pas civil du tout, parce que j'ai une planche, je devrais pas cramer. C'est bon, je meurs. C'est important, je jette carrément des trucs en plus. J'en ai marre d'être une victime. On se les fait, go, go, go! Maman, moi je victimise les gens, mais les gens ne victimisent pas! On arrête ce qu'il y a à voir. Hop là! Régénérer et tuer. C'est ce que j'adore faire. C'est la guerre, Il y a que des boobies ici! Logique. Docteur Chester. On va boire un café avant de se battre. Docteur Fromage. Ouais, sérieux, avec une petite bière, quoi.
oui, mais Okan va comprendre. Okan. Quand est-ce qu'ils vont comprendre que la guerre ne sert à rien? Si vous utilisez par exemple le cactus pour vous aider une plante, vous pouvez utiliser un drone qui est en fait de l'ail. Super! À quoi ça sert? Il s'agit de l'ail volé et qui tire sur vous si vous tuez. Mais sérieux, c'est vous. Dans la vraie vie? Ben moi, oui, déjà deux fois. Ouais, quand même. Parce que moi, il était par terre et il était pas en train de voler. En cours des fois, je vois des ailes qui volent dans le ciel. Mais ça, c'est que des ailes, en fait. Ouais, des ailes, ouais, tu parles très très bien français. Hein. Continue. Je me rends pas les couilles, j'ai l'air de pareil français. Là, en fait. J'ai essayé d'inventer ma propre langue. Ah, bah, c'est de la merde, hein. C'est en merde. C'est si, maudit. Quand je serai milliardaire grâce à ma nouvelle langue, tu me diras, merde, j'aurais dû l'écouter. Ouais, bah, jour où ça arrivera. Pour une fois, il a pas tort. Pour une fois, il a pas tort. Voilà, pour une fois. Ouais. Non, pas pour une fois. Pourquoi pour une fois? Pourquoi pour une fois? Le méchant est trop logique. Merde. Je me dis que toi déjà. Alors, par contre, je vais tuer. Je pourrais être d'accord, je suis trop là. Ah ouais, enfoiré. Vous ne trouverez pas le remplir le café. Hein. En plus, j'ai remontré. Quelqu'un peut venir m'aider. Mais c'est un radin. Ouais, parce que j'en ai. Mais j'ai déjà pensé pour moi, alors. Non, viens m'aider, Jackson. Il y a des tarés qui viennent même pas m'aider. Merci, c'est sympa. Tu m'as dit que t'avais 700 000. Et toi, t'as 300 millions. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Et c'est aussi que t'es pauvre. Mais j'avoue. 300 millions, c'est vite parti, tu sais. Tu t'éclates avec ça. 300 000, encore pire. Surtout moi, je suis un vrai fan des percées. J'adore dépenser le fric, du coup, moi, ça ouais, t'arrive. Savoir par sa jeune, lui, par contre. Ah, lui 75 millions, il a tout claqué en deux jours. Ok, faut défendre le parcours de bug, sinon on ne prendra plus jamais vos bugs. Donc voilà. On y arrive. De toute façon, vous n'allez jamais vous résister. Vous ne pourrez jamais résister. Sans golf, ce serait l'apocalypse. Faudrait déjà que tu saches à quoi ça ressemble un club de. Un stade de golf et après tu nous appelles. Et quel est après? C'est quoi le problème? J'ai été tué par un zombie en forme de tank. Ah bah c'est comme ça. Je te l'ai dit tout à l'heure. Mais c'est scandaleux! De l'eau alors que je suis un cactus en feu, rien de plus logique. Oh oui, bon, déjà voilà, avec le gros sac qu'il y a là, par contre, ça fait beaucoup de boum. Je suis beau, je suis fort, je suis beau, je suis nul. Touche pas mon pote. Ouais, voilà, c'est une bombe qu'on va tout faire. Le bruit, il y avait une mèche en avec le cactus géant. Et puis, du coup, tout faire péter s'il y arrive. Tout faire péter. En tant que plante, nous devons l'en empêcher. Ouais, mais en fait, faut. Même pas s'arrêter. Faut expliquer plusieurs fois à Frozer. En fait. Je comprends vite de vous expliquer longtemps. C'est comme ça, hein. Donc, du coup, le but, c'est de tuer plus les zombies et les empêcher de mettre la bombe dans le. Ouais, bah nous, là, en ce moment-là, on est en train de gagner, là, un peu, là. Ouais, t'as mis pratiquement 2 minutes à pouvoir atteindre un truc de 10 mètres. Oh, t'as dit, franchement. On les laissera pas faire, mes amis. Oh, bien sûr que si. Parce qu'on n'a pas envie de mourir. Oh, que si. Ah, mais j'ai galette, là. Dégage. Il est quel zombie, c'est un scientifique, non? Ouais, c'est un scientifique. Il est autour de la balle. Pour le dernier, je vais changer, je vais prendre quelque chose. Ouais, c'est cool. Un enflure. Non, mais là, j'y suis encore. Avec mon petit poids, j'y
Ricard, je vais tous les écouter. Non, c'est faux, il y a plus personne dans la vanne. C'est pour ça, faut vite les en empêcher. Non, genre. Aïe. Lucas, fais-le, Mister Mordeur. Non. Je vais pas te tuer dans les cieux. Oui, ils ont été ramenés à la bombe. Trop tard, pour un contrôle, ils ont encore une minute devant eux. Ok. Va te faire foutre, Azor. Va bien faire foutre. La bombe de tomber, là. Continue. Razor, arrête de nous tuer, t'es chiant. Putain, je bouge en même temps. Je la vois. Nous y arriverons. Non, putain, c'est une bloque. C'est une bloque. Ils sont en train de me pousser sur la tombe. J'arrive. Au secours. Je peux même plus bouger. Vite, il y a plus que 17 secondes, on peut tenir. On va arriver. Non, arrête là, pousse là, mets-toi devant, je sais pas. Nous allons. Je vais tomber dans le trou. Oui. 5 secondes de l'arrivée, putain. C'est vrai qu'on a l'arrivée. Allez les gars, on peut y arriver. Oh, je suis dans le trou, j'en risque pas de... Nous avons gagné eux. In your face. Bah voilà. Alors les gars, ça fait quoi d'avoir mal? Et bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.